Voilà donc, Bessiata Dishmaya, on continue l'Ilkhot Shabbat. On en est au Siman Resh Nun, Achanat Aseudot, les Shabbat Ubo Bet Seifi. Alors, le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Yashkim Baboker, il faut se lever tôt le matin. Bayom Shishi. Les Achin Tzorke Shabbat, pour préparer les préparatifs du Shabbat. Va filou Yeshlo Kama Avadim, même s'il a plusieurs Avadim. Les shamshots qui sont à sa disposition, ishtadel achin batzmo shum davar. Faut que lui il prépare quelque chose pour le Shabbat et tzorke Shabbat, kedel chabdo pour honorer le Shabbat. Ki rafrizda ayamechat echayarak dagdak. Rafrizda lui, il coupait les légumes lui-même. Rabbi Rav Yosef, il coupait le bois. Rabbi Zera, il allumait le feu. Rav Nachman, il était metaken abayit ou machnis kelim matzrichim le Shabbat. Il préparait les kelim et il rentrait ce qu'il fallait rentrer pour le Shabbat. Il débarrassait les kelim du chol. Mehem liyil mod kol adam, chacun apprenne de ces grands rabbinim là. Velo yomar qui ne se disent pas, l'oev gam birvodi, c'est pas dans mon kavod, je vais pas toucher à mon kavod. C'est au contraire ton kavod que de respecter le Shabbat. Il nous dit le Rama veyesh la shchir etzakin berev Shabbat, kizehu mikvod haShabbat, shemechin atmo l'achila. Il y a un inyan de préparer le, de déguiser le sakin. Ça fait partie du kvod Shabbat, de déguiser les couteaux pour qu'ils soient utilisables pour Shabbat. Donc on attaque le Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah, c'est Katan Aleph, il nous dit comme ça. Donc Yashkim Baboker, faut se lever tôt le matin. Il y a marqué dans le pasouk, Vaya, Bayom Ashishi, Ve'echinu et Asher Yaviu, le Gomer. Achana, Achana, Dumia de Ava. Avataman, alors, il t'allait à Baboker, d'apporter la manne, c'était directement le matin. Donc on apprend de là-bas que les préparatifs aussi de Echinu, ils doivent aussi être faits le matin tôt. Yerti Vaya, l'actu et Baboker, Afachana, Al-Shabbat, Tie Miyad Baboker. Si jamais il a l'habitude, par contre, de faire un limoud après la tfila, donc un petit shiur, ou alors si il est l'omed, il a rabim, il dit le sharasiyun alef, maganavram, bechem sederayom, ou machikatal maganavram, achakach, velimoud haishiva, en rotse lomar, shalken tzerch levatel. C'est pas qu'il est en train de dire qu'il faut être mevatel le limud haYeshiva, parce que sinon il se contredirait. Gamze l'état baissé des rayons. Chamoucha beyad, afu bishvil mitzvah overet, ane mevatel talmud Torah de rabim. Et la kavana, de balabait, tu rosses les kanes, betoch haYeshiva. Ve en lo beveto, mishi achinavrok, un balabait qui voudrait aller à la Yeshiva pour étudier, et il a personne qui lui préparerait les préparatifs de Shabbat, il ne doit pas aller à la Yeshiva. Va vedavé d'avoir chez nos kitzvah, avalarav, alomed imaem, lo shayach. Le rav lui-même, lui, il peut enseigner. Donc, on avait dit encore une fois que son limoud fixe, il doit le garder et ne doit pas l'annuler pour les préparatifs de Shabbat. Et après, il ira préparer le Shabbat, mais le matin. Si c'est un endroit où on a l'habitude que les nourritures du Shabbat, elles s'achètent le matin. Il ne trouvera pas où acheter après son étude. Et bien, qu'il ne fixe pas son étude le matin. Il ne commence à étudier qu'après avoir acheté. Si jamais c'est même avant la tfila qu'il pourra trouver à acheter, eh ben qu'il aille acheter et qu'après il fasse la tfila. Mais qu'il fasse le Kriyat Shema, puisque Gvar Giazmana, ça rentre pas dans l'interdiction de faire ses Khafatsav avant la tfila, puisqu'il le fait pour la mitzvah, donc ça s'appelle Hefetze Shamay. Donc ça, on aura le droit de le faire avant la tfila. Si Fratan Bet in Dino Mishnah Berurah Beyom HaShishi, c'est Yoter Tov, c'est mieux d'acheter le vendredi les courses plutôt que de les acheter le jeudi. Yoter Tov Mishikne Beyom HaMishi, Minkar Yoter Shudirvot Shabbat, c'est Nikar qu'il le fait l'Irvot Shabbat. Et même si ça va être une grande fatigue de tout acheter le vendredi, quand même il dit au Rashuran qu'il y a une mitzvah l'Iknot Berev Shabbat. Pareil aussi, quand il est offert l'Irvot Shabbat, il dit le Bur Halakha, on a vu dans Siman Resh Mem Bet, qu'il prépare et qu'il fasse les Khalot le Yom Shishi. Comme c'est marqué dans le passage, il y avait un Shishi, il y a un Shishi, il y a un C'est pour ça que si on fait une fois pour le Shabbat, on est dans le congé, il dit le Rav Nissim Karelit, on n'est pas mekayem cette mitzvah comme il faut. Apportez-nous lorsqu'on achète des trucs déjà tout prêts. Alors, il nous dit le Mishnah Berurah, Imlo, sur une carrière, Imlo, mais d'abord, c'est quelque chose qui a besoin d'un grand préparatif, donc il achète en avance pour pouvoir le préparer. Bien entendu. Par exemple, saler la viande qui vont basar l'imlo avec Adomé. Yesh liknot beyom chamishi. Ach ima basar chez motse beyom chamishi ou karouche. Par contre, si la viande
qui trouve le jeudi, elle est pas grasse. Et c'est possible que le vendredi va trouver quelque chose de mieux, plus gras. Il y a un petit yom shishi qui attend le yom shishi. Mistabra, il nous dit le Mishnah des Beyamim qu'on fait des journées courtes, les vendredis courts. Tant qu'il peut être Magdim, la Hana, au vendredi, vaut mieux qu'il le fasse. Au jeudi, je veux dire, vaut mieux qu'il le fasse le jeudi. Et il te dit, mais Tov chez Omar, il est bien de dire à Kol d'avoir connaît toute chose qu'il achète, c'est au lire votre Shabbat. Parce que le fait de parler, c'est Poel Arbe Big Doucha. Le fait de parler, c'est Poel Arbe Big Doucha. Par la parole, la Doucha de Shabbat, elle vient sur cette chose-là. Et même s'il le prépare tôt le matin. Mitzvah, il est Katrila bien, c'est vrai qu'il a commencé à préparer les préparatifs le matin tôt. Mais c'est bien aussi que même à l'approche du Shabbat aussi, il prépare des choses. Là, le Magen Avraham, il dit bien entendu, Samouk l'aïrev, hein, parce que la chose, c'est le Shabbat. Rémet d'Adavar, Shnema, Vayamish, Teklomar, Shiachin, Oshéli. Et marqué dans la Torah, Zachor, Yom HaShabbat, Lekad, Shol, Darshu, Ben Shammai, Shete, Zohar, Bechal, Shabbat, faut déjà depuis le dimanche parler du Shabbat à venir. Il dit, Damel, Lekhach, Lekhach, t'as une belle part, t'es mec, t'as créé le Shabbat, tu la prépares pour le Shabbat. Amroual, Shammai, Avaken, ils ont dit sur Shammai, que lui, toute sa vie, il mangeait les rois de Shabbat, puisque Ayamotse, Bema, Naa, Omer, Zule, Shabbat. Matzachet, Naimena, Ocher, Rishona, il mangeait la première. Il laissait la deuxième pour le Shabbat. Ça veut dire qu'en fait, la chila qu'il mangeait, c'est pour qu'il puisse laisser la bonne part pour Shabbat. Donc, tout ce qu'il mangeait, c'était les rois de Shabbat. Mais il a, lui, il avait une autre Mida, comme ça la Gemara nous raconte, que Mida, Chéret Aïtabo, Chayomer, Bet Hillel, il est aussi d'accord que, bien sûr, c'est mieux de faire comme Bet Shammai et que tout manger des rois de Shabbat. Mais lui, il était Boter Bachem, que Vadaï, quand je vous prie, Yasmin Loman Ayafa, Misharayamim. Et pour renforcer son bitachon, lui, il avait l'habitude de faire comme ça, il y en a beaucoup de poskim qui expliquent, en l'occurrence, le Zaroua et le Magen Avraham. Aval, Shara Adam, qui n'ont pas un bitachon aussi fort que ça, alors lui, tout le monde est d'accord qu'on fera comme Bet Shammai. Et donc, on achètera le meilleur depuis le dimanche, etc. On pourra dire que c'est pour le Shabbat, c'est mieux. Pshita, que quand c'est quelque chose que tu ne trouveras pas, chez Isdamello, quand tu la trouves, chez Lo Yenifsad, Avayani, faut que le Shabbat, garde-le pour le Shabbat. Mitzvah, l'itam aussi nous dit Mishnah Moura, il y a une mitzvah de goûter des tafshil be'erev Shabbat, qui est dans les taknam yafé keogen pour les réparer bien comme il faut, pour les bien les saler. Et tsemateima, c'est mitzvah, il rapporte le Shabbat si une chète. A une mitzvah shukran shelomo, a teima be Shabbat, mais kol min, de goûter de chaque espèce. Be'vadaï, c'est une mitzvah, remet de la tête, toi, mea, chaim, zachou. Lachin batzmo, mitzvah, kibbout, Shabbat, c'est un comble à chacun, mikol adam. Karta Shabbat, Oneg, Ligdosh Hashem, Mechubad. Mitzvah bo, Yoter, mi bishluchov. Vaut mieux que la mitzvah la fasse lui-même que par son chaliach. Il dit Sharatzioun, Venire, Delosher, Bezelomar. Tu ne peux pas dire Mitzvah, Shiuchal, Tayed, Achirim, Enbatim, Talmud, Afilizman, Moat. Vu que c'est une mitzvah que je peux demander à quelqu'un d'autre de la faire à ma place, eh ben, je ne dois pas faire Bitul Torah pour l'accomplissement de cette mitzvah. Yeshlomar, Davka, Mitzvah, Shel, Mutet, Al, Gufo. C'est seulement une mitzvah, il nous dit le Sharatzi, une mitzvah qui n'est pas sur son gouf. Par exemple, chez Yafsik Ben Tsalimoud, Kreset. De s'arrêter au milieu du limoud pourrait faire du Kreset. On te dit non, ça peut se faire par quelqu'un d'autre, ne t'interromps pas. Im Eze Adam, Ma Kom Shacher, Yuchal, Ma Shen Ken Bede, chaque voix de Shabbat, c'est sur son gouf, lui-même doit faire, son gouf doit faire du voix de Shabbat. Mimela, Mitzvah Boyotam Bishlucho, Inami, De Dav Kalinan, voix de Shabbat, ou alors autre explication, c'est que ce qu'on fait dans le voix de Shabbat, on dit que c'est Hamour. Mais dans d'autres mitzvot, si c'est un Tamid Chacham et qu'il savait faire un Bitul Torah, c'est vrai que c'est un Tamid Chacham et qu'il savait faire un Bitul Torah. C'est vrai que c'est un Tamid Chacham. Alors on continue le Mishnah Berurah, il nous dit comme ça, hein. Ouadim, mais quand même, il faut que tu envoies un Bitul Torah. Quand Sfarim nous disent que le vendredi, il y a rien de Bitshuva, bon, mais qu'il faut qu'il pense à la Tshuva, qu'il vérifie ses actions. Bekol Erev Shabbat, qui Shabbat Mikre Kala Malketa. Le Shabbat s'appelle Kala Malketa ou Kelu Mekabel Pnei HaMelech Yitbarach chez moi. Ve en nae le kablo ke shu lavu biluye aschavot shel chelat avonot. Tu ne peux pas recevoir le Shabbat quand tu es sali par des vêtements sales, c'est-à-dire par tes avérot. Ve shle fanot kure akavish, il faut aussi enlever les toiles d'araignée, dit le Sharatzion Yud. Zinir kal b'mashkat avar Rambam, tzarek le taken beto, sam taken beto, bo jem gadol pekot la Shabbat. וכל שכן שצריך לכבד הבית מהאבק והאפה מבעוד יום. וזהו הכל בכלל כבוד שבת, זה פרסום כבוד שבת, וידמה בדעתו, כאילו יבוא אליו יתאכסן מלך בשר ודם. פונס קומסי כשהוא רוסווה
Un meilleur, combien tu aurais, bien débarrassé ta maison et tu aurais bien dressé les lits, etc. Quand je pour le Shabbat Malketa, qui est la reine. En tout cas, de ses Chachamim, on avait dit que tout le monde doit apprendre à préparer lui-même le Shabbat, même s'il est Khashoggi Beyoter. Mais quand chacun qui s'est chez Gvarou, ça mourra le Shabbat. Quand il voit que ça approche Shabbat, il doit faire quelque chose. Il nous dit le Shabbat Mishamoua, j'ai vu des gens tzadikim, des Gdolé Torah, qui faisaient le balai eux-mêmes pendant les jours. Tzarim pour ne pas qu'il Khavisham le Shabbat, qu'il le Shabbat. Que le shaliach, que tu n'aies personne pour le faire pour toi, ou alors que tu as quelqu'un, mais ce quelqu'un, il ne va pas avoir le temps de le faire, c'est comme si tu n'avais personne en fait. Zéoumikwada Shabbat, Besifri, c'est un kwada Shabbat, on a dit, qui imkeha sakin, si le sakin n'est pas aiguisé, yukhalavolifamine, ça peut entraîner des disputes. On termine le siman avec le dernier séif, Yarbe, Bebasarbeyaïn, Migdanot, qu'il achète beaucoup de viande, de vin et de migdanot, des friandises, des bonnes choses, selon son moyen. On avait vu dans le siman de Rechmem Bet exactement quels sont les appels de moyen. Ce qui se rapproche aussi, Mishnah Moura d'ailleurs. Ayan l'émission de Rechmem Bet, Chamé Voir, Kolapratim, Bézé. Donc, Bessie Atta Dishmaïa, on reprendra au prochain Shiur Bilinéder le siman Resh Nun Aleph.